Salut, on est le mercredi 23 octobre et on débute tranquillement les semis de blé. J'ai commencé hier, alors vous allez voir, les conditions sont un peu limites, ça mériterait de sécher encore un peu. Mais par rapport au calendrier de semis, les différents travaux, les autres semis qu'il y a à faire, là j'attaque, je vous expliquais, j'attaque l'ESD disque. Le but, ça va être de rouler, de désherber ça. Sur la partie bio, on avance sur d'autres travaux. Il y a de la préparation à faire, les moissons de maïs aussi. Et en gros, je vais me garder les meilleures parcelles, les plus belles et les plus productives, on va dire, à semer. Je vais les semer à la dent. Et semaine prochaine, on va laisser passer la petite période de pluie qui est annoncée pour vendredi. Donc là, j'ai commencé hier à semer les blés en précédent colza. Avec différentes situations, j'ai semé dans une parcelle où il n'y a plus du tout de repousse, cramée volontairement, une autre où les repousses sont bien en train de mourir, et celle-là qui est bien verte, et je vais vous expliquer pourquoi, et vous allez vous rappeler ce qu'est cette parcelle. Donc, au niveau des explications, la première parcelle, plus de repousse de colza, pourquoi? C'est une parcelle où j'ai du régrac dans l'entrée, qui s'est allé un peu cette année avec le colza qui était mort par grandes zones parce que beaucoup d'eau pendant de nombreux mois. Donc il y avait toute une coulée au milieu du champ où il n'y avait plus du tout de colza à la moisson. Donc ça laissait de la place et des levées de régras que j'avais jamais vues dans cette parcelle. Donc il y avait des grands tapis dans ces zones-là, hein, donc dans l'entrée et en travers de la parcelle. Donc là, moi, hors de question de venir semer d'un tapis de régras. On ne sème pas du blé d'un tapis de régras parce que entre l'alléopathie faite par le régras au moment où il meurt, le fait qu'on risque de rater des pieds, si on rate, on va dire, 10% des pieds au désherbage, tout ça fait qu'on part avec du blé qui lève dans du régras qui est encore vivant, et ça, c'est l'échec assuré. Donc le but, c'était bien de faire table rase de toutes ces plaques de régras et de le voir mort ou en train de jaunir partout où je sème du blé. C'est pour ça qu'à cet effet, même dans les parcelles que je vais semer semaine prochaine, il y a déjà 2 semaines à peu près que le pulvée, j'ai fait des coins de champ. C'est souvent des entrées de champ liées à la batteuse, ou des coins de champ, ou le long de parcelles voisines par exemple, où là, c'est déjà en train de jaunir ici. Je suis venu désherber en préventif toutes ces zones-là pour pas avoir de tapis vert. Donc les points de vigilance, par contre, c'est que j'ai fait sauter des repousses de colza, et donc j'ai fait sauter le repas des limaces. J'avais fait un passage préventif à 4 kilos il y a déjà 2 semaines à peu près. On va voir ce qu'il en est, sachant que les capteurs de limaces, le Limacapt, dans les zones non traitées sans préventif, on est monté à 60 limaces, je crois. Il faut que je regarde. Te dire une bêtise, je vais essayer de faire afficher là. On sera peut-être de mémoire, on est peut-être monté à 60 limaces mètre carré. Pourquoi je sème au disque d'ailleurs dans ces parcelles-là? En fait, là, je viens de faire, j'ai quasiment fini celle-là. J'ai fait les 3 parcelles les plus pierreuses, c'est-à-dire qui sont vraiment, vraiment pourries de silex, et avec le semoir à dents, on sort comme plus les pierres qu'avec le semoir à disque. Et quand on est en condition limite là de ressuyage, on peut arriver à descendre moins bas avec le semoir à disque au niveau du travail. Moi, le semoir à dents, vous savez, en double dent, la première dent va chercher un peu profond, on peut remonter un peu du gras et du lard. Et donc, en condition limite, pour l'instant, j'ai préféré le laisser et je vais sortir semaine prochaine. Par contre, le contre-coup de ça, c'est que le semoir à disque, dans les endroits où c'est encore un peu frais, il a du mal à fermer le sillon. Et donc, quid du désherbage si on voulait en faire au moment du semis, pour le sillon un peu mal fermé ou les grains sur le dessus. Là, pour cette partie-là, c'est raté. Alors, pour rappel, je travaille avec ça comme machine. Alors, c'est une machine assez ancienne, conception très basique. C'est loin d'être le meilleur semoir à disque. Ça existe aujourd'hui des machines bien plus performantes, souvent en monodisque, qui bougent moins le sol, avec moins de pièces tournantes, parce qu'ici on a quand même 3 disques par rang, avec à chaque fois un nombre de roulements assez important. Il y en a 2 là, il y en a 2 pour les disques
les disques semeurs, plus les roues de fermeture. Enfin bref. Donc c'est un semoir, on va dire, moyen, mais qui fait le boulot ben, qu'on a un semoir à dents sous le hangar. Pour moi, je trouve que c'est, je vous l'ai déjà répété, mais il vaut mieux avoir deux semoirs, on va dire moyens, mais avoir disque d'un côté, dents d'un côté, que d'avoir une seule machine qui nous a coûté les yeux de la tête. Et pour tout faire, parce que souvent, bah, elle sera pas forcément bonne dans toutes les conditions. Donc, on va aller voir le rendu, puis je vais vous parler de la parcelle où je suis. Donc là, c'est bien le disque ouvre, alors plus ou moins profond, entre 5 et des fois il rentre de 15 cm, puisque sur la largeur, selon les bosses ou autres, c'est assez irrégulier. La profondeur, le but, c'est qu'il rentre au minimum de 5 partout. Donc souvent, on le fait piocher un peu plus. Et après, on a bien le système de double disque semeur qui vient écarter le sillon, on pose la graine et la roue essaye de fermer, donc c'est pour ça que la roue revient appuyée à l'endroit où on a ouvert, donc c'est pour ça qu'il faut que le semoir génère un peu de terre fine pour arriver à refermer. Et c'est un semoir donc sur parallélogramme, mais ça je vous ai déjà expliqué le fonctionnement de cette machine et la particularité, on va dire, qu'il peut avoir, ce qui fait que c'est une machine qui est faite pour semer en direct, c'est la pression qu'on a sur le parallélogramme. Zut, il doit y avoir du vent. Là, ça m'est pour moi impossible de lever l'élément. Là, je le décolle un tout petit peu du jeu des axes, mais même en y mettant les deux mains, je dois pouvoir lever 80 kilos au bas mot. Comme ça, je décolle pas l'élément. Donc, il applique une pression assez importante. Et là, depuis l'année dernière, j'ai remis la herse. Vous voyez, elle est pas en. Les supports sont encore un peu tordus parce que bon, il y avait une histoire de rampe qui s'est cassée sur la route il y a quelques années. Mais une fois que c'est posé au sol, elle est... tout est de niveau quand même. On va essayer d'aller jeter un coup d'œil aux lignes de semis maintenant. Donc là ici le couvert a déjà été bien mâchouillé, normalement il était comme ça, vous voyez. Mais le fait de venir rouler plus les disques ouvreurs, plus les disques semeurs, plus l'air sous haute, on se retrouve plus le couvert est haut, plus on arrive à le plaquer au sol. Vous voyez? Et donc là, on cherche les sillons. Et en théorie, on trouve du blé dans cela, dans ceci plutôt. Bon, bien sûr, c'est toujours au moment où on veut filmer, on ne trouve pas le blé. Bon. Il est là. Donc ça nous donne des sillons avec cet aspect-là. Finalement, vous voyez le blé. Bon, je les ai bougés. Il est là. Petite coupure, interruption. Oh, vous m'excuserez, j'ai la voix en super bon état. C'était juste pour vous parler de ce que je propose en plus de la partie chaîne YouTube. Vous avez dû voir, des fois, je mets des liens qui apparaissent sur le côté ou dans la description, où j'en parle de temps en temps. Donc le but, j'ai créé une plateforme qui s'appelle ACS Solutions, où le but c'est de pouvoir centraliser les informations ou par exemple les inscriptions pour les tours de plaine. J'ai programmé le prochain tour de plaine pour le 29 novembre. Donc vous pouvez vous inscrire par le site. Il y a également le détail des prestations que je propose. Et là, depuis pas longtemps, je propose un flux WhatsApp privé pour suivre les gens, pour que les gens qui sont intéressés, qui veulent plus d'informations encore, plus de détails techniques. Il y a du suivi au quotidien des actualités de l'exploitation de ce que je fais avec des commentaires, il y a des liens, il y a des liens vers des articles, j'envoie des documents, des vidéos et tout un ensemble d'informations. Je remercie les personnes qui ont déjà rejoint, qui ont rejoint le flux comme Clément, Corentin, Guillaume, Hugo, Pierre et ainsi de suite. Et voilà, c'est tout. Allez, reprise de la vidéo. Donc là, c'est un sillon derrière couvert. Et là, je vais vous montrer un endroit où il n'y avait que des repousses de colza. Et ensuite, je vais vous rappeler l'antécédent de cette parcelle, pourquoi j'ai du couvert derrière colza. Alors, vous allez voir, les sillons ne sont pas parfaits partout. Vous voyez, là, on se retrouve avec quelques grains de blé qui sont un peu sur le dessus.
Il y a des sillons qui sont plus ou moins bien faits, c'est plus ou moins Bagdad ou chaotique des fois derrière, visuellement. Mais pas de crainte, il y aura quand même des rangs de blé partout. Bon, il y a quelques, avec la vitesse, il y a toujours quelques grains de blé qui arrivent à voler ou qui sont... Vous voyez, là qu'on est en condition un peu limite de ressuyage, on a certains sillons qui sont fermés un peu à force et des grains qui peuvent être légèrement sur le dessus. Vous aurez moins cet effet-là avec les machines un peu récentes, comme un Avatar par exemple, où le semis est plus qualitatif. On voit qu'il y a des grains. On voit qu'il y a, il a du mal à faire une mise au point. Là, on voit qu'il y a des grains comme un peu sur le dessus, un peu trop d'ailleurs, selon les secteurs. Donc, quid des limaces ici? Est-ce qu'il fallait attendre plus de ressuyage et puis attendre? J'imagine que oui. Bon, après, on voit quelques grains. Je sème à 300 grains à mètre carré à peu près. Pas à peu près d'ailleurs, je sème exactement à 300 grains à mètre carré. Là, on laisse blanchir et il y aura un passage de rouleau à venir peut-être en fin d'après-midi ou demain, avant le retour de la pluie vendredi. Le but est de venir tout plaquer, les résidus, les mottes, venir casser. Toutes ces mottes, il faut que j'aille en trouver. Non, on n'a pas tant que ça. Venir vraiment venir appliquer, venir refermer tout ça correctement pour limiter au maximum les soucis de limaces. Et aussi, on a des silex un peu partout comme ça là. Dans ce type de parcelle, celle-là, ça va de petit jusqu'à très gros, des pierres de 20-30 kg. On en ramasse un maximum, mais le but du rouleau est de venir mettre tout ça à ras. Et puis ça, on finit de blesser la végétation et ça améliore l'efficacité du désherbage. Donc il y a un truc aussi que je voulais vous expliquer dans cette parcelle. Celle-là, c'est celle où j'ai eu le plus de dégâts d'hydromorphie sur les colzas. On va se tourner pour le vent. Voilà. C'est celle qui a eu le plus de dégâts d'hydromorphie sur les colzas. C'est-à-dire partout où je suis là, il n'y avait plus du tout de colza. C'est-à-dire qu'il avait beau être très beau en entrée d'hiver. C'était du colza striptile monograine qui faisait à peu près 3,5 kg, vraiment magnifique. Il avait bien fermé le rang dès le mois d'octobre. Et le problème, c'est que partout ici, c'était rempli d'eau. Il y avait une dizaine de centimètres d'eau pendant régulier. L'eau coupait la route ici, derrière moi là. Et donc, bon, fatalement, au bout d'un moment, même un très beau colza n'a pas réussi à tenir le coup. Donc ici, il y avait vraiment zéro. J'ai même pas. J'étais avec la coupe levée. Donc là, la question aurait pu se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait de zones comme ça, plus ou moins importantes, puisque ça a avancé plus ou moins dans la parcelle comme ça, selon la topographie, là où c'était parfaitement plat, où ça rebaissait un peu de niveau, l'eau s'est engouffrée un peu plus loin. Donc ça représentait, on va dire, 20-25% de la surface, 20% de la surface de la parcelle à peu près. Donc là, il y avait plusieurs façons de faire, des gens un peu plus habitués, on va dire, ou de ces pratiques, seraient peut-être venus faire une fissuration globale de la parcelle, ou des chômeurs à dents, ou enfin chacun appelle ça comme il veut. Maintenant, des fois, on voit le terme de fissuration pour des gars qui viennent juste avec des terrains classiques et des pointes de 80. C'est juste du travail du sol en plein, c'est pas péjoratif, mais il faut juste appeler un chat un chat. Ici, le but, moi, ce que je voulais pas, la structure elle-même n'avait pas été abîmée par des outils, par du tassement excessif, c'est-à-dire que le colza était bien planté, et c'est la fin de cycle où on n'avait plus de racines à partir du mois de mars, à peu près mars-avril, jusqu'au mois de juillet. On n'avait plus de présence de racines vivantes. Donc le but, c'était d'éviter que cette situation perdure et que la stabilité structurelle du sol en pâtisse et que le sol se referme. Ici, on est dans des dominantes, on a un peu plus de limon que de sable, et certains secteurs, on a un peu plus de sable que de limon. Mais vous avez dû le voir au niveau des lignes de semis, ça fait un peu plus limoneux et c'est un peu plus foncé sur le dessus maintenant avec les années. Et donc là, c'est des champs qui étaient quand même relativement plats, ça se passait bien. Donc il n'y avait pas d'intérêt non plus à venir faire du travail du sol profond, puisque la structure en elle-même n'avait pas été massacrée, les conditions de semis du colza étaient excellentes, le colza était beau, c'est simplement qu'il n'y avait plus de racines au bout d'un moment. Donc ce que je suis venu faire, j'avais quand même un tout petit morceau qui n'était pas très plat ici, puisque là c'était des anciens arrachages ou autres. Pour le coup, j'en ai profité, je suis venu avec un des chômeurs à disque,
indépendant, de manière très localisée. Derrière moi, je suis venu refaire de la terre fine sur 5 cm, parce que pour le coup, du fait qu'il n'y avait pas de colza, il y a beaucoup d'ambroisie qui avait levé aussi, plus certaines autres adventices. Alors j'étais venu faire un broyage, mais ça avait comme ça réussi à repartir après. Donc j'étais venu faire du DDI localisé sur 5 cm, et immédiatement, je suis venu ressemer un couvert de févrole pois avès, plus tournesol, et avec les quelques repousses de colza qu'il y avait dans le secteur, ben ça a fait un couvert que je vais vous montrer, qui est pour le coup très satisfaisant. Donc tout ça ici était complètement inondé, plus de colza, plus de racines. Donc le but, c'était d'arriver à remettre de la racine, à remettre du vert, remettre du vivant avant le semis de blé et avant le retour des vraies pluies, parce que c'est vraiment en période sèche que les plantes font le plus de racines et cherchent de la profondeur et vont explorer. Voyez, quand je vous parlais de silex et que ça là, voilà. Là partout. Donc ici, le semis du couvert, la levée s'est quand même bien passée. Selon les secteurs, il y avait plus ou moins de repousses de colza. Ici, il y en avait un peu moins, puisque je suis moins venu me promener avec la batteuse. C'est juste les quelques grains qui ont sauté. On le voit d'ailleurs, il y a beaucoup de tournesol. Ici, là, il y a un peu plus de... Dans la mise au point, il y a un peu plus de repousses de colza. Et donc là, le but, c'était, comme je vous disais, d'avoir vraiment de la racine vivante. Donc pour le coup, la veste... Comme il n'y a pas beaucoup de colza ici, la veste a pu s'exprimer correctement. Le tournesol aussi, on a quelques févroles qui sont venues. Les pieds de colza, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. On a moins, on a quoi? On a 4-5 pieds de colza mètre carré, 10 maximum. Alors en fait, ça fait des très très gros colza. Voilà. Et l'année dernière, avant le colza, c'était également un blé, il n'y avait pas eu de travail du sol. Bien sûr, en plan, on était passé qu'avec un strip-till. Donc, on avait assez peu perturbé l'horizon en plein. Donc là, on a remis du vivant, on a remis de la racine pour assurer. Bon, j'ai pas ma bêche avec moi, il faudrait que je revienne un moment pour vous montrer, pour remettre de la racine avant l'hiver, avant le semis de blé. Et donc, pour le coup, là, je viens semer du blé là-dedans ici. On voit qu'il y a des petits régras ici aussi. Là, je risque de pas les moucher. Donc là, je suis serein pour venir ressemer, re-attaquer directement en semi-direct dans cette partie-là. Je suis venu remettre du travail du sol très ponctuel pour reniveler, refaire un peu de terre fine pour assurer une belle levée du couvert ici et rattraper le souci d'hydromorphie en surface, et quand on voit le développement du couvert, on peut être que serein sur le développement du blé derrière. On voit qu'ici, c'était pas un sol fermé, il s'est pas recompacté en si peu de temps. Voilà, donc ce que je voulais vous souligner avec ces observations-là, c'était savoir rebondir par rapport à des situations, par rapport à un état de fait lié aux conditions climatiques qu'on a eues là. C'était, j'aurais très bien pu ne rien faire ici, laisser la végétation spontanée, alors qu'elle n'a pas forcément été forcément la bonne, il y aurait surtout eu beaucoup d'ambroisie, mais j'aurais pu faire ça et venir cramer, semer du blé dedans. J'aurais pu venir faire un travail du sol en plein partout, j'aurais pu faire du déchaumage partout. Bon, là, moi, le but, j'ai préféré venir que régler le problème de manière ponctuelle à l'endroit où il était. Le reste de la parcelle, je n'y ai pas touché. Pour le coup, ça va me permettre de faire d'autres observations. On va voir, je semé quelques bandes comme ça de ce couvert un peu plus loin dans la parcelle et aussi dans les tours. On verra sur le blé d'ailleurs, ça peut être impact, ça peut être sympa. Vous avez vu que dans le mélange, il y a de la veste et du pois fourragé. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis venu avec le semoir à disque, parce que là, le semoir à dents aurait fait râteau, ça aurait été impossible. Je vous avoue que venir semer là-dedans, en plus, ça sème tout seul. Ça sème mieux limite que dans des gros tapis de repousse de colza. Alors, ce que j'aime pas trop, j'ai des zones là où j'ai un peu trop de repousse. C'est pas forcément mieux. Je préfère avoir moins de pieds et plus gros. Et un couvert comme ça me donne une meilleure qualité de semis, je trouve. Là, ça va assez vite blanchir en plus. Et on est venu ramener des légumineuses ici. Une espèce de silex. C'est pour ça que je veux vraiment réussir à passer le rouleau ici. Là. Et puis,
sans déconner. Bon, je vais reprendre les semis et rouler. Donc là, je fais un essai, mais je pense que ça va être pas mal. J'ai semé il y a plus de, plus de 24 heures après le semis. Là, vous voyez, on a un peu de soleil, on a pas mal de vent aujourd'hui, donc c'est le temps de blanchir. Hier, on avait aussi du vent l'après-midi et puis et du soleil. Donc ça a bien blanchi. Là, je suis dans les premiers semis que j'ai effectués. Il y a des endroits ici où ne sont pas parfaitement fermés. Donc le but, c'est d'arriver à finir. De ramener des débris végétaux, des petites mottes ou autres sur les sillons pour améliorer la résistance aux pluies qui sont prévues et vis-à-vis des limaçons. On va aller voir ce que ça donne. Donc là, c'est une machine qui fait 12 mètres de large. Là, j'étais à 8 km/h. Le but, c'est de pas non plus trop affiner. On va voir, selon la nature du sol et la parcelle, je vais ajuster la vitesse d'avancement, l'agressivité des dents pour que le boulot soit fait. Mais le but, c'est pas de faire de la terre fine. On veut pas trop de terre fine, puisque la terre fine, vous l'avez compris, dès que cette terre fine est un et demi plutôt qu'un ami. Donc là, c'est les semis qui ont été effectués, vous voyez. Le semoir a un peu éclaté, fait comme de la motte comme ça. Donc j'essayerai d'ailleurs de venir passer le rouleau après en décalé. Et après, il y a des insectes qui volent partout. Donc il y a des lignes, vous voyez, on a quelques grains sur le dessus et quelques lignes qui ne sont pas parfaites partout, vous voyez. Comme en condition d'humidité, on commençait juste à être dans les premiers créneaux de tir. D'ailleurs, je ne vais pas semer aujourd'hui parce qu'ils annoncent entre 20 et 30 mm à partir de demain. Donc les semis n'auront pas le temps de blanchir et les graines d'amorcer leur processus de germination. Donc je préfère assurer ce qui est déjà semé. Donc ça, c'est avant le passage. Donc là, vous voyez la machine. Et donc, après passage, ça nous donne quelque chose comme ça. On va dire que les pistes sont brouillées, on voit même plus les rangs. Vous voyez ? Là, vous devez voir un sillon par là. Voilà. Et l'autre, là, il y en avait un ici. Vous voyez ça, on rapporte pas mal de débris végétaux dessus. Ça fait un très bon rendu. C'est exactement ce que je cherchais. La herse du semoir n'a pas réussi à faire ce travail-là, parce que c'était fait à passer sur du frais, on va dire. Et là, le fait de passer en travers, on ramène vraiment de la matière et qu'on rétale partout. Dans la ligne du semis, dans le sens du semis, je suis pas forcément fan parce qu'il y a une dent qui peut tomber dans la ligne et gratter dans la ligne, c'est pas le but. Donc en traverse, c'est vraiment pas mal, vous voyez, à 8 km/h. On brouille vraiment bien les pistes là. Là, il y a une ligne ici par exemple, mais quelques grains là. On ramène vraiment de la motte là-dessus et on va voir, une fois que ce sera bien blanchi cet après-midi, je pense qu'on essaiera même le passage de rouleau. Je suis très content du résultat.